Spécialité identification des poissons, formation continue, description, quel était ce poisson? Est une question fréquemment posée après une plongée. Si vous voulez être le plongeur qui répond plutôt que celui qui pose la question, alors suivez la spécialité PADI, identification des poissons. Vous profitez d'autant plus de vos plongées lorsque vous reconnaissez les créatures que vous voyez et pouvez identifier les principales familles des poissons et leurs caractéristiques. Si vous êtes âgé de 10 ans au moins et êtes certifié PADI, junior, open water divé ou détenez une qualification plus élevée, vous pouvez vous inscrire au cours PADI identification de poissons, fiche identification, académique. Vous commencerez par apprendre à reconnaître les catégories de poissons que vous voyez, ainsi il vous sera plus facile de référencer les espèces exactes après une plongée. Par exemple, un poisson papillon dans les Caraïbes a une forme semblable à un poisson papillon en Asie du Sud, mais les couleurs et les marques peuvent être très différentes. Si vous savez à quelle famille il appartient, vous pouvez plus facilement rechercher le nom local ou interroger plus intelligemment l'instructeur de plongée local sur ce que vous avez vu. Lors de deux plongées scaphandre, vous allez apprendre comment identifier les caractéristiques des familles et des espèces locales de poissons. Les techniques et les stratégies d'étude des poissons. Les activités de Project Hour pour participer à la protection de la vie aquatique. La première plongée de cette spécialité PADI peut être validée comme plongée Adventure DIF pour votre brevet Advanced Open Water. Demandez à votre instructeur les informations pour obtenir le crédit de la plongée. Équipement: en plus de votre équipement de plongée de base, vous aurez besoin d'une ardoise pour enregistrer ce que vous voyez et d'une fiche d'identification de poissons, s'il en existe pour votre région. Votre instructeur PADI et le personnel de votre magasin ou club de plongée local peuvent vous suggérer d'autres pièces d'équipement ou de référence suivant ce que vous êtes susceptible de voir lors de vos plongées. Commencez par votre magasin de plongée Plongée Asie, pour vous inscrire à ce cours. Consultez la bibliothèque de référence des espèces marines.